Bonjour, aujourd'hui une activité d'inspiration Montessori très classique en Montessori, l'alphabet mobile, que vous connaissez peut-être déjà. Une fois que l'enfant a acquis les graphèmes rugueux et les lettres un peu de façon générale, ainsi que les sons, hein, c'est très important, on peut passer à l'alphabet mobile et commencer déjà à écrire des premiers mots. Donc c'est avant l'écriture parce que l'enfant se sert des lettres pour écrire, il n'a pas besoin de savoir écrire, tenir un crayon, attaquer les lettres comme il faut, etc. Ça lui permet d'écrire sans avoir l'apprentissage de la tenue du crayon, etc. Donc ça c'est un matériel que j'ai acheté. On peut le trouver donc sur internet, dans les magasins spécialisés en Montessori. Donc les voyelles sont en rouge et les consonnes sont en bleu pour que l'enfant les repère. Voilà, bon, il s'agit tout simplement de faire des mots avec les lettres, hein, donc vous pouvez le présenter à votre enfant. Même s'il ne sait pas encore écrire des mots, c'est intéressant de voir un autre support. Voilà, donc après, au fur et à mesure, il pourra écrire des mots tout seul et il sera content de pouvoir le faire. Si vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter ce matériel, vous pouvez tout à fait le faire à la main, hein, vous écrivez les lettres, vous pouvez trouver, je pense, sur Internet. Le support qu'il faut, où les lettres sont déjà peut-être écrites, donc avec les voyelles en rouge et les consonnes en bleu. Voilà, c'est l'alphabet mobile en fait, mais en papier, plastifié, pour que ça dure plus longtemps et que l'enfant l'abîme pas. Et il peut tout à fait écrire des mots avec ces lettres-là, hein, pas besoin forcément d'utiliser le matériel en relief, hein, c'est pas du tout une obligation.